Bonjour, je suis le docteur Guillaume Font et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation sur la dépression résistante. Je suis responsable du Centre Expert Dépression Résistante de la région PACA. Je suis enseignant et chercheur à Aix-Marseille Université et je suis spécialisé en psychonutrition, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation, des aliments fortifiés et des nutraceutiques sur la santé mentale. Un Français sur cinq va faire une dépression au cours de sa vie et 15% des Français sont concernés par la dépression, en particulier depuis la pandémie de Covid-19. Parmi les personnes qui sont traitées par antidépresseurs, la moitié ne répondent pas à ces médicaments. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Nous allons voir dans un premier temps qu'il faut revérifier le diagnostic. La première cause d'inefficacité, c'est une erreur de diagnostic. Ensuite, nous allons voir les interventions alimentaires et les nutraceutiques qui ont prouvé leur efficacité sur la dépression, ainsi que les données qui concernent l'activité physique et comment la mettre en place. Enfin, nous allons voir les stratégies pharmacologiques que l'on peut proposer lorsque le patient n'a pas répondu à deux traitements antidépresseurs bien conduits.